part. Je fais un petit jambon beurre. Je vais régler la pendule. Oui. Je mets un petit peu de chorizo. Tu veux du chorizo? Un petit peu de chorizo. Vous voulez un sandwich avec du chorizo? Oui, on va le couper en deux. Tiens. Je descends. Attends, je descends. À la cave. Je descends. Tiens, passe à Vincent en montant le sandwich. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des sandwichs. On fait des sandwichs. Non, qu'est-ce que vous faites là sur scène? C'est un sketch. On fait un sketch de notre création personnelle. Faites pas un sketch, vous faites notre sketch. Ouais. Oh, le melon des mecs! Le melon des taloches, quoi! On peut plus mettre des bretelles sans faire du plagiat, les mecs, alors! Vous avez le monopole de la bretelle, les mecs, on a une usine, hein! Les gars, toi, la confiance! Non, mais vous rigolez ou quoi? Dites la vérité! Tu veux la vérité? Ouais, tu veux que je la dise, la vérité? Eh ben, on va la dire, la vérité. Parce qu'il y a un moment donné, le public a le droit de la connaître, cette vérité. Alors, elle doit éclater au grand jour. Le soleil est couché, c'est pas la question, mais cette vérité doit éclater. Et cette vérité, c'est Jérémy qui va vous la dire. On a copié votre sketch. T'es un con? Tu me dis de dire la vérité, je dis la vérité. Mais pas celle-là, celle qui nous arrange, imbécile. Eh ben je mens alors. Mais voilà, bon. Eh ben dis-moi, tu mens, Jérémy, je mens. Eh ben Jérémy va vous mentir. Eh ben on a repris votre sketch parce qu'on le trouvait un petit peu fadasse, figurez-vous. Voilà. On voulait l'améliorer, ce exactement. Sketch. Ah, parce que là, vous considérez que vous l'avez amélioré. Mais tu as vu le brochet que j'ai ramené? Oui, c'était ridicule. Vous ramenez ça dans votre sketch, un brochet? Il n'y a jamais eu de brochet dans ce sketch. C'est peut-être pour ça que personne ne le connaît, ce sketch. Ouais, exactement. On essaie de le faire connaître du grand public, ce sketch. Tout le monde le connaît. Bien sûr, on vient de le jouer, évidemment. Nous, on est melon lent. Attendez, parce que quitte à ce qu'on soit là, on peut quand même faire un sketch. On a bien le droit de pouvoir faire un sketch, là. On les arrête, les mecs. C'est les buts de nos sketch à Montreux, comme ça, ça se mérite. On fait pas un sketch comme ça à Montreux. Faut un événement particulier, faut quelque chose. Justement, on fête nos 20 ans de carrière, voilà. Nos 20 ans de scène, voilà. Alors, voilà. Et donc, 20 ans, c'est quoi, donc j'ai écrit un petit poème pour l'occasion. Hein? 20 ans de carrière? Voilà. T'as quel âge, toi? Allez, on laisse faire le sketch. Bon sketch. Bravo, les taloches, Michel. Mesdames et messieurs, voilà, pour fêter cet événement, ces 20 ans de carrière, donc j'ai écrit un petit poème. Tu vas pas le faire. Si. Non. C'est mauvais. Je vous préviens, c'est mauvais. Écoute, voilà le texte. Hein? Si ça ne va pas, tu me souffles. Mais normalement, ça ira. Attends. Je le connais. Je prends une chaise. Attends. Merci, je prends une chaise. Voilà. Je mets là. Voilà. Tu peux peut-être te mettre un petit peu plus en retrait. Parce que c'est quand même moi l'artiste. La rage! Non, l'orage! L'orage! Les cheveux sur la route! Non, les chevaux! Les chevaux! Les chevaux sur la route avaient pris leur gâteau! Leur galop! Leur galop! Car le ciel était noir et l'on craignait de l'eau. Les cavaliers tout verts! Couverts! Couvert d'une blanche poussière, saucisson du danger. Non, sans souci. Sans souci. Sans souci du danger, s'en allait ventre à terre faisant un courbouillon. Un tourbillon. Tourbillon. De poussière et de feu qui surgissaient du sol et volaient avec eux. Quand tout à coup, l'un d'eux grousse un cri de détresse. Non, pousse un cri de détresse. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est le cri de détresse. Mais ce n'est pas dans le texte. Ça, c'est de l'improvisation. Tu vois,
Tu fais ça quand tu te sens super bien avec le public. Hein? Et lui montre du doigt son cheval et sa fesse. Qui sa fesse? Qui sa fesse? Mais l'animal fougueux. Reparti plein de rage en lui offrant son corps. En mordant son mort. Mais l'homme. L'homme penché sur lui, tirant de tout son être. Enlaça son cheval avec un centimètre. Non, élança son cheval dont il se sentit maître. Vers le groupe arrêté qui cherchait un nombril. Un abri. Un abri. Tous. Tous portaient des chameaux avec des rabots gris. Des chapeaux verts avec des rubans gris. Ils étaient là, là, là ou là. Hein? Hein? Quand l'eau tombante en avalanche d'un grand abricot vert. Non, d'un grand abricot vert. Va fricasser. Fracasser. Fracasser, fracasser les branches, car le ciel était en feu, tout sillonné d'éclairs, et le tonnerre tonnait en roulant dans les airs. Et l'on sentait partout comme une ordure de soufre. Non, une odeur. Une odeur de soufre. Car la terre et le ciel ne formaient plus qu'un gouffre. Qu'était-il devenu? Jamais on ne l'a su, on ne l'a jamais su, vous ne le saurez jamais. C'est fini. C'est fini déjà. Oui, regarde là, là c'est la. C'est la fin du poème. Mais je croyais qu'il y avait encore une suite. Ah non, heureusement, non. Non, c'était court, c'était bref, c'était très bien. Voilà, viens, on va laisser les gens maintenant. Hein? Viens. Pourtant, j'en avais encore des choses à dire. Oui, mais demain. Tous ces rabougris qui sortaient leurs glaives vengeurs. Hein? Et qui voulaient couper la tête aux dromadaires. Oh, les dromadaires. Mais les dromadaires ne cessaient pas faire, ils attaquaient les rabougris. Oh, les dromadaires ne cessaient pas faire, ils les attaquaient, ils ne cessaient pas faire. Jamais!